Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un site que je trouve très très intéressant. Vous connaissez sans doute, vous êtes beaucoup à connaître NetGalley. Maintenant, il y a un deuxième site qui existe dans le même style. Il s'agit de Simplement Pro. Et je trouve que ce site est vraiment très agréable parce qu'il nous permet de découvrir beaucoup d'auteurs auto-édités sans nécessairement que les auteurs doivent venir vers nous ou que nous devions aller vers eux. Ça permet aux auteurs de pas toujours devoir spammer tout le monde pour dire est-ce que tu veux lire mon livre? Est-ce que tu veux lire mon livre? Ça permet aussi aux blogueurs de ne pas toujours aller vers l'auteur réclamer des livres. Cette idée a été créée par Paul Clément et franchement je le félicite parce que c'est vraiment vraiment très bien fait. Donc en gros, vous allez sur le site simplement-pro, je mettrai l'adresse en barre d'infos. Vous allez sur la donc sur le site, vous vous inscrivez et ensuite vous pouvez faire le tour des partenariats, regarder ce qui vous intéresse. Il y a certains partenariats qui sont proposés que en numérique, d'autres sont proposés en numérique et en format papier. Ça se passe toujours bien, des fois c'est des éditeurs quand même qui viennent vers vous, mais juste sur le site au fait, ils vont pas venir vous voir par mail ou vous voir sur Facebook ou spammer vos murs, non, ils vont surtout pas faire ça. Personnellement, je connais beaucoup d'auteurs qui y sont, ce sont des auteurs très très, allez, très très respectueux, on va dire. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire beaucoup de livres sur ce site parce que, ben voilà quoi, j'ai d'autres partenariats en cours entre deux aussi, donc j'essaye d'un peu tout lire. Mais franchement, c'est l'occasion aussi de découvrir des auteurs auto-édités qu'on ne connaît pas. Ne fût-ce qu'en lisant les résumés, on se laisse énormément tenter. On se dit, ah ben tiens, cet auteur-là, je ne le connaissais pas. Et pourtant, vraiment, c'est vraiment très agréable, quoi. Là, pour l'instant, j'avais découvert donc l'auteur déjà par le jeu d'auto-édition. Je vous en ai parlé il y a quelque temps. Et là, j'ai eu l'occasion de lire ce livre, donc de le demander sur Simplement Pro. J'ai eu l'occasion de le lire, je n'ai plus le titre comme ça, je vous le mettrai comme ça, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est vraiment une très 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 belle découverte, c'est vraiment un énorme coup de cœur ce livre. Et je suis contente de l'avoir découvert comme ça, parce que bon, de toute façon, je l'avais découvert grâce au jeudi auto-édition, donc en tout cas, je l'aurais lu, c'est certain. Parce qu'il me faisait vraiment vraiment envie, et là, je ne regrette vraiment pas d'avoir pu le découvrir comme ça, parce que bon, c'est une très belle découverte, et voilà. Et d'ailleurs, il y a plein plein de livres qui me font envie sur ce site. Seulement, ce qui est bien, c'est qu'ils ont... Le site a fixé une limite à 5 SP. Ça veut dire qu'une fois qu'on en a 5, c'est fini. On ne peut plus en télécharger, on peut plus faire de demande, on peut plus le solliciter. Donc il faut attendre. Et ça, je trouve ça pas mal. Comme ça nous permet de les lire un petit peu à la fois. Et de pas nous laisser tenter par tous en même temps. Parce qu'il y en a tellement que. Après, il n'y a pas que des auteurs auto-édités. Apparemment, il y a des petites maisons d'édition aussi qui sont sur ce site. Et c'est vrai que je trouve ça pas mal parce que bah, ça permet vraiment. À un auteur ou à un éditeur d'aller vers le lecteur et au lecteur d'aller vers l'auteur ou l'éditeur. Ça permet vraiment et très très simplement. D'ailleurs, le site porte bien son nom, Simplement Pro, parce que tout est très simple. Ça sert à rien que je vous montre le site parce que c'est vraiment très très simple. Au fait, par contre, je vous recommande, quand vous verrez le lien en barre d'infos, que vous cherchiez du thriller, des romances, du fantastique, la fantaisie, n'hésitez surtout pas à aller vous inscrire parce qu'il y a vraiment de tout sur ce site. Donc quand vous verrez le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à cliquer dessus et allez vous inscrire. Franchement, moi je vous dis c'est vraiment un très très bon site à découvrir. Bon après je dis pas NetGalley est aussi un très bon site à découvrir parce que ben j'ai fait de belles découvertes aussi, mais j'en parlerai une prochaine fois. Je préfère d'abord parler de ce site Simplement Pro et une prochaine fois on viendra sur NetGalley. Je vous expliquerai mon expérience avec NetGalley parce que là j'ai déjà lu beaucoup beaucoup de livres chez eux, contrairement à Simplement Pro. Et voilà. Disons que j'ai l'impression que NetGalley est plus pour les gros éditeurs et Simplement Pro, j'ai l'impression que c'est plus justement pour les auto-édités. Et c'est bien pour eux se faire connaître. Moi je suis vraiment contente de cette initiative de Paul Clément. Et donc les auto-édités et les petits éditeurs.
Franchement, ce site, il est vraiment. Je l'ai découvert, je suis sûre qu'il existait déjà un moment avant que je le découvre. Je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, mais je ne regrette vraiment pas de l'avoir découvert parce que il y a vraiment, je suis sûre que je vais vraiment faire de belles découvertes dessus et c'est une belle façon d'échanger avec les auteurs aussi, justement, et de nouer des liens, quoi. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc si vous avez des questions sur. Sur ce site, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec plaisir. Sinon, n'hésitez pas à aller vous y inscrire et voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que pour l'instant, tout est dit. Mais n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Quand je fais une vidéo, si vous avez une question sur l'une ou l'autre chose, n'hésitez pas, je suis toujours, toujours là pour y répondre. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye!